Et bonjour à tous et bienvenue sur Way of the News 6. Alors, aujourd'hui on va parler de deux petites choses, de contenu qui arrive, normalement très prochainement. Alors je vous ai pas fait une petite vidéo avant, malgré que le premier contenu soit annoncé depuis quelques jours, voire quelques semaines. Tout simplement parce que, comme je vous avais expliqué, il est en branche de développement, donc il est en version entre guillemets bêta. Sur les serveurs bêta test, honnêtement, je ne me prononce pas parce qu'il y a plein de petites modifications, il y a plein de petits ajouts, de rectifications qui sont faites. Donc du coup, ça vaut pas le coup, entre guillemets, que je vous en parle tant que rien n'est sûr, tant que rien n'est acté. Donc regardons ensemble ce qu'il en est. Bon, comme vous avez pu le voir, ça y est, l'ours brun arrive sur la Transylvanie. Enfin. Alors il avait été annoncé depuis le début du jeu, hein, carrément, donc cette fois-ci, c'est sûr, il va arriver. Alors, j'en ai pas parlé avant, comme je vous expliquais, parce qu'il était en phase de bêta test, il l'est encore, il y a quelques correctifs qui sont apportés au jeu, pas mal de corrections de crash, je sais que certains en souffraient pas mal, des problèmes de localisation, des sauts infinis, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de petits... petits soucis, on va dire, de gameplay qui sont corrigés. Donc ça, c'est vachement bien. Le plus gros souci, enfin celui qui m'a été le plus relevé, et c'est vrai qu'il est assez surprenant, c'est le son de la 338. Quand on tire avec, actuellement, elle ne fait plus de bruit. Chose qui va être corrigée. Donc ça y est, on va retrouver sa sonorité. Donc ouais, ça, c'est vraiment ce qui gênait le plus les joueurs qui pouvaient jouer correctement au jeu. Entre ceux qui crachent régulièrement et tout ça, c'est pas évident. Donc là, tout ça c'est en bêta test. Donc c'est la version 1.17 avec quelques petites branches de développement encore à côté. Donc on espère bientôt avoir la sortie définitive et complète, c'est-à-dire hors bêta test, vraiment implantée dans le jeu, on l'espère. Mais aussi, et là je vous mets un petit trailer, et ça y est, un gros contenu qui arrive, enfin gros. Voilà, ça reste du bon contenu, c'est pas le plus gros de l'année, hein, clairement, mais il est là, faut le souligner, donc regardons ça ensemble. Et oui, ça y est, une nouvelle arme arrive, alors... une ou plusieurs, est-ce qu'ils vont implanter une nouvelle gamme de produits, une nouvelle marque qui s'introduit dans le jeu? Pourquoi pas? Ça, ce serait sympa. On attend beaucoup des marques connues, donc attendons, voyons. Donc, de ce que l'on voit, hein, même si c'est flouté, ben, apparemment, ce serait une carabine à verrou. Donc, ben, moi qui adore ça, c'est juste parfait. Je serais très content si c'était le cas. Reste à savoir sur quel modèle c'est, savoir sur la puissance de tir qu'elle va avoir. Donc ça, bon, ben, il n'y aura plus qu'à tester et attendre qu'elle soit là, surtout. Pareil, pas de date de sortie, hein, mais ils nous ont teasé. Et par contre, a priori, ce qui est dit et ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, le contenu sera gratuit. Que ce soit pour l'ours, que ce soit pour les armes, pour tout ce qu'il y a. En fait, la seule chose qui sera payante, ben, que je le répète, ce seront les nouvelles maps, les deux nouvelles maps qui devraient sortir dans l'année. Alors, pas dans l'année 2022, mais dans l'année de sortie du jeu. Pendant les 10 mois qui vont arriver, normalement, on devrait avoir deux maps qui vont sortir. Donc, une, on l'espère assez rapidement, parce que certains ont déjà, entre guillemets, plié le jeu. Et c'est vrai que on peut un peu s'ennuyer, quand même, sur ce jeu à l'heure actuelle. Manque un peu de contenu. Mais, normalement, voilà, on devrait, entre guillemets, avoir rapidement une nouvelle map. Maintenant qu'ils ont plus ou moins fixé leur jeu, donc écoutez, let's go, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, une nouvelle arme sûre, est-ce que ce sera une nouvelle gamme avec plusieurs trucs? Malheureusement, ce ne sont toujours pas les arcs et les arbalètes. Ça manque terriblement sur ce jeu pour ouvrir un gameplay différent. A priori, c'est dans les tuyaux pour de nouvelles sortes d'armes, donc a priori, ça devrait arriver. Voilà, attendons de voir. Mais entre le nounours et la nouvelle arme, ben écoutez, ça fait un peu de contenu, ça fait un peu de fraîcheur sur le jeu. C'est cool. Certains, ça va pas les faire relancer le jeu pour l'instant, ça c'est clair. Mais pour d'autres comme moi, qui aiment bien découvrir l'ensemble du contenu et tout, ça peut être vraiment fun.
Donc dès qu'il y aura la sortie, bah, soit des âmes, soit des ours, ça se trouve, ça se fera en même temps. Et bien dans ce cas-là, on ira découvrir tout ça ensemble. Comptez sur moi. Et en attendant, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis!